Rebonjour à toutes et à tous, on est toujours avec Silas. Bonjour, bonjour Panta. Bonjour, et on est toujours sur Reaper of Souls, cette fois-ci pour vous parler du mode aventure. C'est ça, avec le croisé. Avec le croisé, la nouvelle classe de Reaper of Souls. Tout à fait, tu as bien résumé la situation. Donc là, alors, t'es dans quel acte? Je suis dans l'acte 3, en sachant que voilà, le mode aventure nous permet de nous téléporter d'un acte à un autre, des environnements d'un acte à un autre, pour en fait accomplir des quêtes qui sont symbolisées par les points d'exclamation que tu vois ici. D'accord. Et ces quêtes qu'ils appellent primes dans le jeu, donc sont très classiques, consistent soit à nettoyer une zone, soit à tuer un boss bien particulier, soit à aider un PNJ, etc., etc. Et bien évidemment, lorsqu'on accomplit ces quêtes, qu'est-ce qu'on a? On a des récompenses en PO, en XP et en loot. Parce que le loot, c'est quand même super important. En fait, c'est World of Diablo, quoi. Dans le jeu. Donc j'en profite pour vous montrer aussi le croisé, mon croisé qui n'est pas encore très très haut level, hein, qui est level 34, qui est la nouvelle classe du jeu, qui est vraiment ressemble beaucoup au paladin de Diablo 2, ouais. Qui tire son épingle du jeu dans le sens où c'est une classe qui je trouve relativement complète, mm-hmm. qui est capable de faire quand même des dégâts tout à fait corrects et qui est aussi une classe de soutien parce qu'il a il a des sortes qu'ils appellent des lois. Qui sont des buffs que bien évidemment il peut faire bénéficier aux membres du groupe, ouais. Et qui aussi et avant tout est une classe de tanking, la classe défensive par excellence, dans le sens où il a beaucoup de compétences qui nécessitent d'avoir un bouclier d'équipé et ou qui dépend de sa valeur de blocage. D'accord. Donc il devient vraiment une classe très 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 puissante en tanking et qui du coup on va dire prend tout son potentiel en groupe. Parce que c'est vrai que quand on est tout seul, ouais. Surtout au début, le gameplay est un petit peu mou. On a l'impression de taper un petit peu comme une moule, comme on dit dans le jargon. D'accord. Mais à plusieurs en multijoueur. C'est le kiff total si on aime le tanking, bien évidemment. Et je vous rassure quand même, au fur et à mesure du leveling, on débloque des sorts qui deviennent de plus en plus puissants et bien sûr avec le stuff, on est capable de très bien se débrouiller et de faire des dégâts tout à fait corrects. D'accord. avec le croisé, ça il n'y a pas de souci. Donc c'est une classe que j'avais déjà présentée lorsque j'avais fait un direct sur la bêta fermée. Ouais. Une classe que j'avais montrée aussi pendant le streaming qu'on a fait récemment sur Diablo 3, sur l'extension. Je pense que c'est pas mal d'entre vous ont déjà pu voir un petit peu comment ça se joue et à quoi ça ressemble. Donc c'est une classe qui me plaît beaucoup parce que justement elle est capable de à la fois de tanker et quand même d'infliger des dégâts tout à fait corrects et elle est plutôt sympa et surtout il y a quelques petits éléments de gameplay moi qui me plaisent bien notamment elle est capable de porter une arme à deux mains dans une main. Ce qui fait que du coup, tu peux porter une arme à deux mains plus un bouclier, donc qui en fait vraiment la classe tank par excellence. Ouais. C'est-à-dire que même avec une arme à deux mains ou dans les niveaux de difficulté assez élevés, on évite de l'utiliser quand on est tout seul parce que sinon on prend trop de dégâts. Ouais. Lui, le croisé, il est capable de d'allier les deux, ce qui fait qu'on aboutit à des stats quand même qui sont des fois assez assez importantes. Attention, je vais pas crever quand même. Oui, faut éviter. Faut éviter de mourir. Donc là, c'est quoi ton rôle en fait dans le mode aventure? Tu dois tuer tous les ennemis de niveau 2 dans la taverne du gîte. Voilà. Donc là, du coup, ce que je dois faire, c'est parcourir la map pour trouver la caverne du givre. Alors j'espère que je vais la trouver quand même assez vite parce que c'est un petit peu l'essence même des hack and slash, hein. C'est que les environnements sont générés aléatoirement. Donc bien que cet environnement, je le connaisse déjà puisque c'est l'acte 3. C'est pas toujours les grottes, les cavernes, etc. ne sont pas toujours situées exactement au même endroit. D'accord. Donc du coup, il va falloir explorer un petit peu la map pour pouvoir trouver cette grotte et ensuite remplir les objectifs qui me sont alloués. Donc voilà, on en profite du coup pour leveler tout simplement parce que évidemment on c'est engrange le but, hein, du mode d'aventure. Exactement, on engrange de l'XP comme je le disais dans un précédent gaming live. On a la possibilité une fois l'acte 5 terminé. On débloque le mode aventure et donc on a la possibilité de leveler un personnage uniquement en mode aventure si on le souhaite. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une manière d'explorer le jeu complètement différente
plutôt que de suivre l'histoire acte par acte, quand on connaît par cœur le scénario, on a la possibilité justement d'accomplir ce mode, d'explorer ce mode aventure, et donc d'avoir l'impression de ne jamais faire deux fois la même chose dans le sens où tout est généré aléatoirement. D'accord. Voilà. Après, voilà, malgré tout, ça n'est que du recyclage entre guillemets d'environnement déjà connu. Les objectifs, les quêtes ne sont pas super originales, hein, comme vous pouvez voir. Ah tiens, bah, du coup, voilà, je vais pouvoir entrer dans les cavernes du GIF. Les objectifs ne sont pas forcément super originaux. Même si les quêtes sont générées aléatoirement, bon, des fois, tu as un peu l'impression de refaire un peu les mêmes, parce ouais. que des fois, on te demande de tuer le boss de l'acte. Par exemple, l'acte 2, on te demande de tuer Belial, l'acte 3, on te demande de tuer Asmodan. Donc, c'est quelque chose que tu fais déjà dans Diablo 3 de base. Voilà, dans le mode scénario, dans le mode campagne. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un peu du recyclage, même si potentiellement c'est un mode qui a une durée de vie illimitée, puisque encore une fois tout est généré aléatoirement. On a quand même des fois l'impression de tourner un petit peu en rond. C'est un peu dommage. Moi j'ai une petite question. Vas-y, dis-moi. Est-ce que en tant que joueur lambda de Diablo 3, donc moi par exemple, est-ce que tu me recommandes cette extension? Parce que je trouve quand même ça un peu léger en termes de contenu ouais. et par rapport au prix qui est quand même, excuse-moi, assez exorbitant. Oui, bah c'est le prix d'une extension classique des jeux Blizzard, c'est-à-dire une quarantaine d'euros. Quand on compare en fait le contenu d'une extension de World of Warcraft ou d'une extension de Starcraft 2 au contenu de cette extension de Diablo 3, effectivement, c'est un peu faible. C'est un peu léger. Mais par contre, en fait, j'ai l'impression que cette extension est faite pour les gens qui ont retourné Diablo 3 et qui ont envie de retourner Reaper of Souls avec plein de... Enfin, de réexplorer rapidement ouais. Diablo 3 avec ce mode aventure ouais. et de maxer une classe croisée et d'explorer Reaper of Souls avec toutes les autres classes qu'ils auront maxées dans c'est le ça, mode aventure. C'est vrai que malgré tout, c'est là où je me dis que concrètement, si tu as beaucoup joué à Diablo 3, tu vas acheter cette extension, ça paraît logique puisque c'est ouais. vraiment la continuité. C'est un peu aussi le principe même d'une extension, c'est-à-dire qu'on t'incite quand même, t'as envie d'y jouer parce qu'il y a du contenu supplémentaire, parce qu'il y a un acte supplémentaire, l'histoire évolue un peu, il y a une nouvelle classe, etc. etc. Ouais. Donc forcément, j'ai envie de te dire que les joueurs de Diablo 3 vont acheter l'extension. Maintenant, est-ce que si tu découvres Diablo 3, tu te dis « Ah tiens, 40 euros, je vais acheter l'extension, je vais pas être déçu. » Tu vas pas être déçu, non, mais c'est vrai que tu auras peut-être une sensation de pas assez, un goût de pas assez malgré ouais, ouais, tout. Ouais. Faut le reconnaître, le contenu de cette extension, je le trouve quand même un peu léger. Même si encore une fois, potentiellement, ça a une durée de vie illimitée, mais c'est un peu comme tous les jeux bizarres, j'ai envie de dire, comme Starcraft ou World of Warcraft. Concrètement, ce qu'il y a de nouveau, c'est pas énormément de choses. Donc effectivement, on se répète, mais oui, par rapport au point de vue rapport contenu-prix. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Étant donné qu'on sait que de plus en plus Blizzard fait des promotions sur ses extensions assez régulièrement, j'ai envie de dire... Oui, ça se peut que ça baisse de prix. Voilà, ceux qui ne sont pas forcément super pressés de découvrir cette nouvelle extension peuvent peut-être attendre encore un petit peu que éventuellement le prix de l'extension baisse, parce que c'est vrai que on peut rester un peu sur sa fin, effectivement. Voilà. D'accord. Donc voilà. Alors l'autre intérêt de ce mode aventure, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, ce sont les failles Néphalem. Oui. Donc c'est-à-dire que là en fait, en accomplissant les objectifs du mode aventure, je vais obtenir des fragments de clés. Et ces fragments de clés me permettent d'ouvrir des portails dimensionnels qui s'appellent donc les failles Néphalem. Et lorsqu'on se téléporte dans ces failles, on est transposé dans un univers à nouveau complètement aléatoire. Mm-hmm. Et où... Qui fait partie de Diablo 3. D'accord. Et dans lequel il y a énormément de mobs à éliminer. Et où on a la possibilité vraiment de rusher à mort du loot, quoi, en gros. Concrètement, voilà, il y a plein de mobs à tuer, on va tous les tuer. D'ailleurs, je vais le présenter dans un gaming live. Ça, j'aime bien. J'aime bien de looter du légendaire comme ça en direct live. Une épée à une main, justement. Voyons voir ce qu'elle donne, cette épée à une main. Donc, je disais, voilà, les failles Néphalem, ouais, c'est pas trop dégueu. Ça m'augmente quand même pas mal mes dégâts. En plus, il y a une petite gemme. Je vais voir ce que je vais en faire un petit peu plus tard. Mais voilà, je vais peut-être pas forcément montrer tout
l'objectif de ce mode, enfin de oui. cette quête, parce que ça peut être un peu long, il faut encore que je trouve le niveau 2, etc. Au niveau du croisé, est-ce que t'as des skills à montrer, Ben là, du concrètement, ce que j'ai montré, j'en ai déjà parlé un peu, il a vraiment des techniques de soutien, donc on parlait des lois, donc en fait, qui a à la fois un buff passif d'augmentation de vitesse d'attaque, et lorsqu'on l'active, on a une augmentation de cet effet passif, donc qui se répercute sur tous les membres du groupe. On a aussi voilà cette technique qui s'appelle fustigation, je crois en français, et qui est une sorte de gros dégâts de zone qui permet justement de foncer dans le tas, d'infliger des dégâts assez lourds. C'est un peu la technique qu'on débloque assez rapidement sur le croisé et qui permet d'infliger un maximum de dégâts. D'accord. Moi j'utilise le smite, c'est châtiment non c'est expiation en français. Donc ça permet en fait de lancer des espèces d'éclairs à distance et en plus ça fait des dégâts de zone. Donc du coup j'aime bien quand on est en solo c'est quand même assez pratique. Après c'est vrai que voilà comme je suis pas encore à très haut level, j'ai pas forcément débloqué toutes les compétences, mais il a aussi une compétence qui est assez pratique. Alors il y a notamment le dada que j'aime beaucoup, en fait qui te permet de déplacer plus vite et surtout de traverser les ennemis. Donc chose qui est bien pratique quand t'es encerclé. T'as aussi une autre technique qui est une espèce de jump, tu sautes dans les cieux et tu t'abats violemment sur les ennemis, donc qui fait énormément de dégâts et qui aussi te permet de dérouter, c'est-à-dire en gros de quand t'es bloqué sur place, tu peux utiliser cette technique pour t'en sortir. D'accord. Donc voilà, il a une certaine mobilité, ce croisé. Alors c'est sûr, c'est pas le moine ni le chasseur de démons. Mais franchement voilà, il a plusieurs cordes à son arc, ce croisé, et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc, même s'il n'a pas d'arc. Même s'il n'a pas d'arc et qu'il n'en porte pas. Exactement. Du coup, bah, écoute, bon, je pense qu'on va pouvoir peut-être s'arrêter là pour ce gaming knife dans le... Oh, le gars, il arrête pile quand il y a un gros mob. C'est ça. Histoire qu'on ne voit pas que je vais crever, en fait. Ouais. Ouais, c'est un peu la technique du lâche. Pas de problème, donc, mon cher Silas. Un dernier gaming knife dans lequel je vais parler des failles Nephalem et où je vais vous montrer une autre classe. Encore. D'accord. Et tu vas peut-être nous montrer aussi le mystique. Celle qui enchante. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien envie de voir ça. Tout à fait. Bon, bah, je te remercie pour cette deuxième présentation. Et mais on se retrouve très bientôt pour un troisième Gaming Live de Reaper of Souls. À tout de suite. Ciao.